sur Europe 1 dans la libre antenne pour passer 2 heures en direct avec vous à l'écoute de vos témoignages et de vos histoires de vie. Dans cette émission où il est courant de s'inquiéter, de savoir si vous faites, comme on dit en psychologie, un travail sur vous, je suis certaine que certains se demandent encore à quoi peut bien servir le fait d'aller chez un psy. Ne souhaitant ni vous convaincre, car c'est une démarche très personnelle et très intime, ni entrer dans un plaidoyer, j'ai choisi de vous livrer la réponse d'un acteur que j'aime beaucoup, Fabrice Luchini, car elle me paraît frappée au coin du bon sens. Alors voici ce que Fabrice Luchini a récemment répondu à quelqu'un qui lui demandait, lors d'une conférence, « Que pensez-vous de la psychanalyse ?» Fabrice Luchini donc de répondre, elle ne fait aucun miracle, elle ne change pas l'individu, il n'y a pas de transcendance dans la psychanalyse, mais elle a une vertu, c'est qu'elle vous rend plus praticable pour les autres, parce que vous transpirez toutes vos angoisses auprès de quelqu'un qui est payé pour écouter. Et en faisant ce travail sur vous-même, vous arrêtez d'utiliser l'autre en le manipulant pour devenir un spectateur enfermé et prisonnier. Vous découvrez le miracle du philosophe Lévinas. C'est que l'autre n'est pas là pour vous aimer ou pour être subjectivisé par vous, il est là autant que vous. On se débarrasse des grosses névroses manipulatrices, l'autre nous apparaît tel qu'il est et on essaie de l'embêter le moins possible. Pour moi, dit Fabrice Luchini, la psychanalyse a été une école d'altérité. Elle n'est pas miraculeuse, mais elle permet d'alléger la folie embarrassante. Elle rend plus adulte et plus responsable et permet d'avoir des rapports plus attentifs aux autres. Alors nous rendre plus praticables pour soi et pour les autres, ben moi j'aime décidément beaucoup cette formule et c'est ce que je vous propose de faire aussi avec vous si vous le voulez bien. Quentin et Corentin reçoivent vos appels au 3921 et c'est Maxence Destop qui réalise cette émission. Vos SMS sont les bienvenus au 739-21 en commençant par le mot nuit écrit en majuscule ou vos mails sur le site europe1.fr. Allez, c'est parti pour 2 heures de direct avec vous. J'attends vos appels au 3921. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Caddy. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Ben, d'abord, je tiens à vous dire que je vous écoute souvent et que votre voix est très apaisante. Elle merci fait du bien, Caddy. Soir. Merci à vous. Voilà. Alors, comment puis-je vous apaiser en direct ce soir? Oh, je suis en conflit avec moi-même. Ah oui, ça c'est les plus pénibles, ceux-là. Oui. Voilà. Alors, je vais essayer de résumer un peu chronologique, comme ça vous comprendrez peut-être un peu. Oui. Je suis l'aînée d'une famille de 11 enfants. Oui. J'ai 63 ans maintenant, donc j'ai beaucoup aidé ma maman, bien sûr, tout ça. Après, j'ai travaillé dans les hôpitaux pendant 41 ans. J'ai adoré mon métier jusqu'à la fin, même encore maintenant. J'ai peut-être pas gagné beaucoup, mais j'étais tellement heureuse dans mon métier. J'ai fait un métier que j'ai aimé toute ma vie. J'ai eu cette chance-là. J'ai eu 3 enfants, un divorce, beaucoup de dettes suite au divorce. Donc, j'ai fait un temps plein de nuit, un temps de jour. J'ai quand même bien élevé mes enfants. Enfin, pas mal de déboires, mais toujours quand même bien heureuse. Ça s'entend à votre voix, oui. C'est que je vieillis. Oui. Et je ne sais pas dire non, je crois aux gens et là je commence à être fatiguée. Oui, ça vous envahit un peu. C'est trop lourd. Oui. Vous avez l'impression de porter beaucoup de monde finalement depuis très longtemps parce que vous dites, aînée d'une famille de 11 enfants, vous avez beaucoup aidé votre maman, donc vous avez été élevée en étant au service des autres. Et puis après, dans votre métier, bien sûr, vous dites que vous l'avez aimé, mais c'était une fonction, le métier, mais en tout cas, c'est aussi un trait de votre personnalité d'être là pour tout le monde, en fait, ou pour chacun. Oui, ça je m'en rends bien compte, mais le problème, c'est que là, ben, c'est vrai que j'ai de la chance, je suis une mamie, je suis heureuse, j'ai beaucoup de mes petits-enfants, j'ai suivi mes filles, ils sont partis habiter au soleil, je les ai tous les midis, je les ai un week-end sur deux. De ce côté-là, c'est que du bonheur. Hein. Oui. Mais on dirait, je me demande pourquoi je trouve sur mon parcours toujours des jeunes filles seules, des jeunes femmes, et qui me prennent pour leur mère ou leur mamie, et puis qui me confient leurs enfants, et j'en ai plus qu'assez. Mais oui. Et je me culpabilise là parce que j'ai rencontré une jeune dame qui est vraiment seule. Elle est veuve, c'est pas de sa faute. Elle a du mal à trouver du travail.
Et à chaque fois, elle prend des intérims à des heures indues, elle me donne sa petite fille. Et j'ai bien dit que pour une fois, c'était un dépannage. Et systématiquement, maintenant, quand elle prend un intérim, elle me la ramène. Ah oui. Et je m'occupe, j'ose pas dire non. La petite est adorable, cette femme, elle n'a pas de chance. Mais j'en ai plus qu'assez avec mes affaires. Ouais, Et puis, je finis. t'as dit oui, je Et moi, comprends. je supprime tout ce que j'ai envie de faire. Et je suis dans l'ennui. Je suis vraiment Oui, dans et puis l'ennui. finalement, vous voyez, en n'ayant plus de frontières avec vous-même, c'est-à-dire les autres sont sur votre territoire, chez vous, vous Plus envahissent moi, un peu, voilà. bah, vous êtes plus vous. Donc c'est dangereux. Donc vous êtes en danger, Caddy. Et même si vous rendez bien sûr service, et on comprend, vous savez, c'est formidable d'être très empathique, Caddy, et de savoir se mettre à la place des autres et de comprendre ce qui leur arrive. C'est formidable. Et en même temps, c'est beaucoup d'énergie ou quelquefois un peu lourd à porter quand c'est tout dans un sens, quand cette empathie, au lieu de pouvoir aussi vous l'adresser à vous-même, elle n'est que pour les autres. Et du coup, pour vous, il n'y a rien. Ça crée du déséquilibre, hein, parce Non, que je sais finalement, pas. les plateaux d'une balance, ben, ça s'équilibre en bougeant, mais là, c'est déséquilibré. Je sais pas comment dire les choses parce que ben, j'aimais bien faire de l'aquagym, mais j'en fais moins. Je faisais de la randonnée, j'en fais moins. Et je dis, ben, je vieillis, j'ai envie de faire un peu de choses. Je pense que j'ai beaucoup. Et ça me fatigue. Et mais en même temps, je me dis, ben, comment tu peux dire à une femme qui est seule, non, je sais pas, j'y arrive Eh pas. bien, Et c'est pas qu'une femme, c'est à plusieurs personnes. vous savez, Et je Caddy, retrouve tout ça. vous pouvez aussi aider cette femme à grandir, à se responsabiliser en lui disant non et en posant un non. Et je vais un peu vous donner des conseils pour savoir comment dire non. Mais en disant non, vous allez aussi lui signifier, alors on ne dit pas non comme ça, hein, je vais vous dire comment, mais vous allez lui signifier qu'elle peut se sentir responsable et avoir confiance en elle dans le fait de savoir-faire. Parce que quand vous lui dites tout le temps oui, elle reste un peu en position d'enfant. Elle s'infantilise elle-même parce que vous jouez la maman et vous la sauvez. Donc Oui. finalement, c'est pas si aidant que ça à la longue pour elle. C'est aidant, bien sûr, ça la dépanne bien, hein, sur le moment. Mais à la longue, finalement, elle ne prend pas la responsabilité de ce qu'elle a à faire. Donc, et d'une certaine manière, c'est un peu comme si vous imaginez, alors vous dites elle a une vie difficile, mais vous dites ben, elle ne sait pas faire autrement. Donc, vous ne lui donnez pas un signe de confiance en lui disant non, où elle pourrait se prendre en main, en fait. Vous Ben, comprenez? c'est-à-dire que quand elle prend des intérims, elle le prend. Par exemple, je sais que la conjoncture du travail est difficile. Elle a des intérims, elle fait des, Oui, comment on dit c'est ça, vrai qu'elle dit, mais vous vous mettez à la place de l'autre, ce qui est très bien, vous la comprenez, mais du coup, vous agissez à la place aussi de l'autre. Que comprendre l'autre, c'est formidable, c'est lui donner de l'écoute, hein, c'est le comprendre. Mais là, vous substituez à certaines responsabilités où elle doit faire avec. Elle va pas toujours trouver une caddie pour garder ses enfants. Là, pour Alors, l'instant, si. bah oui, bah c'est bien le problème, c'est bien le problème. Alors, il y a René qui dit, qu'est-ce qui pourrait, dans votre comportement, expliquer que les autres font appel à vous? Ben, je me pose question, je dis, c'est toi qui induis ça, hein. Je me rends Bien compte sûr, que c'est moi bien sûr. Et qui vous induis pensez que vous l'induisez de quelle façon? ça. Ben, là, c'était et c'est pas qu'avec elle, l'année passée, c'était avec une même personne. J'ai dû presque fermer ma porte parce que elle venait tout le temps chez moi et elle ne partait plus. Moi, je n'ai jamais demandé de venir. Eh ben, je suis gentille, je crois que je suis gentille. Oui, Je suis à l'écoute, c'est des gens que je rencontre comme ça dans la rue, ils me confient leurs problèmes, je suis à l'écoute. Et puis là, la première fois, j'avoue, c'est moi qui lui ai dit quand elle m'a appelé, la première fois j'ai un intérim, je ne sais pas quoi faire, j'ai dit, ben, je peux te dépanner, j'ai bien dit exceptionnellement. Oui, mais ça, elle l'a pas entendu, l'exceptionnellement. C'était trop bien que vous fassiez à Parce sa qu'elle a place. recommencé la semaine d'après, Oui. et là, ça commence à devenir une habitude, et moi j'ai jamais demandé à être nounou à ton... Et puis je fais ça bénévolement, hein. Bien sûr. C'est par gentillesse, mais j'ai jamais demandé à devenir une nounou. Et puis j'en ai assez avec mes petits-enfants et mes enfants, je reçois aussi mes neveux, je suis très contente de les recevoir en vacances et tout ça, mais je veux aussi m'octroyer du temps, et je pense Oui. que j'ai assez donné. Et là, je dis, ben,
je n'ai plus d'existence. Donc, Caddy, vous allez devoir apprendre à dire non, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez en fait plusieurs croyances ancrées en vous. D'abord, la croyance que vous devez être gentil, c'est une croyance. Et puis, oui, la croyance aussi que vous avez peur de vous sentir coupable. Mais oui. Même de penser ça, de dire est-ce que j'ai le droit de lui dire non. Vous ne pouvez pas savoir, j'endors pas la nuit, de dire. Tu n'as même pas le droit de penser ça. Alors, Caddy, vous savez, vous pouvez dire d'une certaine manière un oui à l'autre dans une intention, mais avoir un comportement différent. Et effectivement, chez vous, c'est une histoire de comportement. C'est-à-dire l'intention d'aider, d'écouter l'autre, pourquoi pas. Après, c'est la façon dont vous vous comportez dans cette écoute qui fait que vous vous laissez envahir. Donc, vous devez reconnaître vos frontières, vos limites, en quelque sorte. C'est-à-dire distinguer votre être du faire. C'est pas parce que vous faites que vous êtes une personne formidable. Vous êtes avant de faire. Et vous, toute la résolution de votre être passe par le fait de faire. Si vous ne faites pas pour les autres, alors vous n'existez plus. Oui, c'est vrai. Alors, vous allez petit à petit, Caddy, substituer le « je dois » et le « il faut » par « j'ai envie de ». Donc, vous me disiez que vous aviez envie de faire des choses pour vous, qui vous semblent importantes. Et vous allez petit à petit, mais vraiment, je dis petit à petit, sur des choses très petites pour vous, faire cette substitution. Et puis, vous allez apprendre comment on dit non. Et comment on dit non ? On ne dit pas non comme ça aux gens. On dit non en substituant, si vous voulez, en argumentant plutôt le non, en négociant par de la créativité. C'est qu'en fait, on développe des oui sous condition. Alors, quand je dis un oui sous condition, c'est un peu ce que vous avez d'ailleurs tenté de faire quand vous avez dit c'est exceptionnel. Mais il faut vraiment que ce soit beaucoup plus cadré. C'est-à-dire, écoute, je peux vous dépanner ou te dépanner pour une journée, une nuit, enfin voilà, ou un repas. Mais je vous demande ou je te demande que demain, tu aies trouvé une solution. Parce que demain, je ne pourrai pas. Donc, c'est, vous voyez, c'est un oui sous condition. Parce que pour vous, ça va être un peu difficile, vous voyez, d'aller vers le non comme ça. C'est pas votre nature. Vous êtes une nature et toute votre histoire de vie est tournée au fait sur le soin des autres. Mais vous devez apprendre à dire oui avec des conditions à chaque fois. Ça va être ça, mettre des frontières et des limites pour vous. Parce que dire non comme ça, effectivement, vous n'allez pas du jour au lendemain dire non aux gens. Par contre, vous allez continuer à dire des oui, mais des oui à chaque fois. Il y aura une condition à votre oui. Mais une condition vraiment bien exprimée, une condition forte. Vous me suivez ? Parce que c'est important, je vais vous dire pourquoi c'est important de se dire oui à soi-même, hein, plutôt que de dire non aux autres, je préfère se dire oui à soi-même. Pourquoi c'est important ? Parce que vous devez sauvegarder votre sommeil, Caddy, et comme vous dites, vous n'en dormez plus. Vous devez aussi conquérir le respect de vous, et en le faisant, le respect de l'autre. Vous n'êtes plus respecté par l'autre, du coup. Là, vous n'êtes pas respecté. Là, ça mais bien sûr. Cette impression. Et même l'année passée, la jeune fille aussi qui venait conduire son enfant à l'école, qui venait chez moi, je gardais mon petit-fils à mi-temps, donc je devais m'occuper de lui. Elle dit, je peux boire un café. Donc, bon, ça ne me dérange pas, ça. Il était 9h du matin, elle restait jusqu'au midi. Je ne pouvais même plus m'habiller, me faire à manger. Sans que... Je lui disais, je dois aller me laver. Tu peux... Elle dit, tu peux monter dans ta salle de bain, ça ne me dérange pas, je t'attends ici. Eh ben, c'est à ce moment-là que vous dites, Caddy, oui, toi, ça ne te dérange pas, mais moi, ça me dérange, j'ai besoin d'être seule pour faire ma toilette. Donc, on se verra plus tard. Oui, vous négociez, c'est-à-dire vous ne dites pas, vous n'allez pas dire violemment dehors, va-t'en, mais c'est pas vous ça. Mais vous, ce serait de dire, écoute, moi j'ai besoin que tu t'en ailles parce que j'ai besoin de faire ma toilette tranquille. Après ma journée démarre, j'ai plein de rendez-vous, on se verra une autre fois. Oui, vous négociez et vous imaginez quelque chose. En fait, oui, que vous dites besoin, c'est parce que je n'ai jamais osé dire mes besoins. En fait. Exactement. Vous n'avez jamais osé dire vos besoins. Et comme vous ne dites pas vos besoins, vous n'êtes pas respecté par les autres. Les autres ne les respectent pas parce qu'ils ne sont pas dits. Donc, ils ne peuvent pas savoir.
Donc si, oui. Donc et puis c'est formidable de trouver quelqu'un comme vous toujours à la disposition de tout le monde. Donc il y a pas, imaginez que vous soyez caddie, une jolie petite maison avec un joli petit jardin et un petit portail en bois blanc et une petite pelouse avec des fleurs. Sauf qu'il n'y a pas écrit sonnez avant d'entrer, ne marchez pas sur mes fleurs. Non, c'est pas écrit ça, c'est écrit place du bonheur. Oui, mais ça. Caddie, ça peut être la place du bonheur avec des règles, avec un cadre, hein. Parce que si tout le monde vient se servir de bonheur chez vous, alors il y en a plus pour vous et vous pouvez plus en donner. Ça ne repousse pas, hein. Ça ne repousse pas. Donc vous avez besoin. En plus, vous allez vous gagner en autonomie parce que du coup vous rendez les autres dépendants de vous. Et vous, dépendante des autres. Et donc, personne n'y trouve son compte parce que tout le monde y perd en autonomie dans ce système. Donc, vous allez vivre des relations beaucoup plus équilibrées et gagner en estime de vous-même. En étant dans ce oui négocié. Oui. Donc, ça va être des oui sous condition. Ce qu'on appelle en mode, si ça vous parle, qui est dit en gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je dis oui, je gagne avec une condition, donc c'est gagnant pour moi. Et l'autre, il a reçu un oui de ma part, donc c'est gagnant pour lui. Donc c'est gagnant des deux côtés. Pas de frustration de l'autre côté non plus. Pardon ? Je dis qu'il n'y ait pas de frustration de l'autre côté, tout doucement, pour l'entendre. Oui, mais alors ça, c'est vous qui supposez qu'il y a des frustrations. C'est-à-dire que, Caddy, vous, dans votre façon de concevoir le fait de faire du bien pour les autres, vous ne voulez pas frustrer l'autre. Or, frustrer, d'abord, vous savez, hein, les enfants, pour grandir, et même les adultes, devenir adulte, responsable, c'est accepter la frustration. Et vous, en refusant la frustration aux autres, vous ne les aidez pas à grandir, ni à être autonome. Vous les infantilisez, sans vous en rendre compte, bien sûr. Hein. Oui, c'est inconscient. Oui. Mais au contraire, vous pouvez les frustrer. Ils vont grandir. Ils vont apprendre à se responsabiliser. Notre vie est faite de frustration. Oui. Là, pour cette semaine, elle m'a reposé la question pour quel jour l'après-midi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. J'avais dit oui. Alors. Mais là, elle me rappelle en me disant, tout compte fait, du lendemain, je vais t'embêter. Comme je veux pas la lever de bonheur, je te la laisse la nuit et tu la gardes le lendemain aussi. Ah bah puis quoi encore? Ah mais c'est pas possible. Caddy. Honnêtement, ça m'a étouffée. Caddy. Oui, vous allez lui dire, non, j'ai accepté pour la journée, je n'ai pas accepté pour la nuit. Vous voyez, rappelez le cadre. C'est là où vous lui dites pas non total, j'ai vous essayé. Rappelez. J'ai menti, j'ai dit je dois aller à une conférence. En plus, c'est vrai, il y en a une, mais je n'allais pas y aller, mais ça m'intéressait. Elle dit, oh oui, mais toi, tu n'aimes pas te coucher tard, c'est pas grave. Et ça m'a choquée un peu. Ça m'a choquée un peu. Mais ça a de quoi vous choquer. Mais ça a de quoi vous choquer. Mais elle ne vous respecte pas. Je te laisse faire ou tout ça, hein, pourtant. J'ai quand même du caractère. Vous ne faites pas respecter, Caddy. Oui, ben là, ça m'a donné cette impression. Ben oui, ce n'est pas qu'une impression. C'est pour ça que je vous ai appelé, d'ailleurs. Mais vous avez bien fait. Donc vous allez. Alors, c'est quand est-ce qu'elle dépose son enfant? J'ai quand même dit, j'ai rappelé, depuis hier ça m'a travaillé, rappelé, j'ai menti, c'est pas beau, mais j'ai menti, j'ai dit vous non, vous protégez, ce jeudi, je vais à ma conférence et j'y tiens, j'ai dit ça, j'y tiens. Ça c'est un progrès, Caddy. Je veux aller à ma conférence, d'accord. Caddy, voyez, je veux aller à ma conférence, j'y tiens, vous avez exprimé votre besoin. Donc là, vous avez fait un grand pas. C'est exactement ça votre axe, Caddy. Oui, il faudra que j'apprenne à faire des choses. Oui, parce que vous pouvez lui rappeler que vous avez été là pour elle, que vous voulez bien être là pour elle. Parce que dire non, c'est pas fermer sa porte en disant plus jamais. C'est dire aujourd'hui je te dis non parce qu'aujourd'hui je ne peux pas, mais demain je pourrai. Aujourd'hui je ne peux pas passer de voir parce que j'ai ça à faire, mais je te promets qu'après-demain je viens. C'est ça, un oui sous condition, en mode gagnant-gagnant. Mais là, c'est même pas ça, c'est que je ne veux pas devenir nounou,
comment on dit, perpétuel. Je n'ai jamais demandé ça. J'ai dépanné parce que c'était un intérim à brûle pour point. Mais il faut que vous rappeliez, ça, Caddy. Vous allez lui rappeler que vous avez été là pour dépanner, pour être, lui remettre le pied à l'étrier, qu'elle trouve une solution, mais vous n'avez pas vocation à garder son enfant toutes les semaines. Donc vous redonnez du cadre, vous redites ce qui est important. Vous avez une vie. Hein, non, mais c'est important, là, Caddy, vraiment. Voyez, une auditrice qui dit « Je donne depuis des années, aujourd'hui, et deux personnes en ont profité, j'ai subi une humiliation, harcèlement et souffrance, aujourd'hui, je suis en dépression grave. » C'est vraiment très important. Comme dit Yvan, c'est bien de comprendre les autres, mais vous n'êtes pas responsable des vôtres. Des autres, pardon. Vous comprenez? Et puis Valette, oui. J'ai mes petits-enfants tous les midis, je vais aussi quelquefois, mes filles ont des horaires. Oui, bah vous avez votre vie. Et j'ai l'impression que je tombe sur des jeunes, non. Se disent mes filles ont de la chance et qui... Mais Caddy, vous tombez pas, vous laissez la porte où. Mais c'est vous qui vous laissez vampiriser. Les gens vous vampirisent parce que vous le voulez bien. Mais oui. Comme dit Valet de cœur, hein, quand on donne trop pleinement, on habitue les autres à ne pas avoir besoin de recevoir. Ça j'ai être plus protectrice avec vous-même. Et en plus, arrêtez de penser, Caddy, que vous leur rendez service. J'espère au moins que vous aurez compris ça de notre échange. Vous ne leur rendez pas service parce que vous les rendez dépendants de vous. Donc il y a effectivement plein de choses, voilà, d'inconscient et de votre histoire qui sont liées à tout ça. Mais là, voilà, c'est pas ni l'heure ni le temps de défaire toute la plotte. Mais au moins, si vous pouviez penser dans votre croyance que ce n'est pas un service que vous leur rendez, parce que vous pensez leur rendre service, mais en fait ce service est assez limité. Et en plus, pour vous, il crée beaucoup de dommages. Donc, apprenez à développer des oui à vous-même, Caddy, hein, à partir de demain, et à mettre des conditions. Et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux dans votre vie et que vous allez vous faire respecter. Ah, oui, et on vous en aimera d'autant mieux. D'autant mieux. D'accord. Non, en fait, je crois que le fait d'avoir... comment dire, galérer seule avec trois enfants quand je vois des dames comme ça. Mais oui, bien sûr. J'aurais aimé tomber sur une Caddy moi aussi, donc je vais faire pour elle. Oui, mais Caddy, parlez-leur. Oui. Parlez-leur, vous avez une expérience. Ne faites pas, mais soyez. Soyez dans l'être et pas dans le faire. Vous avez bien sûr, vous pouvez aider. Vous avez plein de... Je vais apprendre à être dans l'être et plus dans le faire. Voilà. C'est important. Et puis, vous n'oubliez pas, hein, vous argumentez vos noms, vous négociez et vous vous dites oui. D'accord? D'accord. Caddy, si jamais vous êtes à l'aise avec Internet, et ça peut vous intéresser, Caddy, il y a eu une émission de Marion Ruggieri qui a été consacrée à ce thème, apprendre à dire non. C'était jeudi dernier. C'est de 15h à 16h, mais vous le trouverez en réécoute sur Internet. Ça s'appelle Il n'y en a pas deux comme elle. Il n'y en a pas deux comme elle, Marion Ruggieri, jeudi dernier. Et elle m'avait très gentiment invitée dans son émission et on a passé une heure à parler de ce sujet. Donc ça prolongera un peu notre échange. Ok, et c'est sur Europe aussi? Oui, c'est sur Europe. Ah bon? Voilà. Ah, d'accord. Il n'y en a pas deux comme elle, Marion Ruggieri, jeudi dernier. Ah d'accord, ben, je vais le Sinon, vous avez la page Facebook de la Libre Antenne qui a dit et vous trouverez, j'ai mis le lien pour l'émission dessus. Vous tapez Libre Antenne du week-end et vous allez trouver le lien. Voilà, et ça peut vous aider à continuer. D'accord? D'accord, ça va m'aider parce que c'est pas évident. Mais non, c'est pas évident, ça s'apprend, c'est un apprentissage, vous allez apprendre. Oui. Comme il une langue étrangère. Toujours se recentrer, dire attention. Oui, exactement, attention, d'accord. Attention à vous. Je vous embrasse, Caddy, passez une bonne soirée. C'est gentil, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Allez, bonne soirée à toute l'équipe. Au revoir, Caddy. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 739 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Europe 1 vous propose ce week-end le robot cuiseur multifonction. C'est le cook expert de Magimix. Rien que ça, grâce à l'induction et ses 12 programmes automatiques, vous réaliserez facilement de nombreuses recettes que vous pourrez retrouver sur l'application gratuite Cook Expert Magimix. Valeur totale de ce cadeau à découvrir all set à la Foire de Paris, 1 200 €. Alors pour tenter votre chance, envoyez le mot chance, C-H-A-N-C-E, par SMS au 739-21, 65 centimes plus le coût du SMS. Vous appelez le 39-21, 50 centimes la minute. 3 messages pour participer. Bonne chance à tous.
Europe 1. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 3921 5 pour parler à Sophie. Main. Alors Caddy, si vous nous écoutez toujours, il y a Alex qui envoie un message pour dire arrêtez d'être la cendrillon de service, réagissez. Votre gentillesse est une chose jusqu'à une certaine limite. Dire oui, mais à une certaine condition et ne pas jouer à Mère Teresa, dit Alex. Et c'est vrai que ce sujet d'apprendre à dire non, en fait, est un vaste sujet. Je le disais à Caddy, vous retrouverez sur la page Facebook de la Libre Antenne du week-end l'émission de Marie Marion Ruggieri, il n'y en a pas deux comme elle, de jeudi dernier, où il était question d'apprendre à dire non. Et pourquoi finalement c'est un problème ? C'est qu'en fait, il y a ce sentiment d'être trop bon, trop bonne, comme on dit, et je ne dirai pas à la suite, ce sentiment aussi que les autres savent mieux faire, ont plus de droits, sont plus importants, ce sentiment de devoir être toujours présent aux autres, de ne pas être dans le plaisir d'être soi, et puis ce sentiment aussi de ne pas savoir demander. Alors pour toutes ces raisons, je vous en engage à ne pas être dans l'opposition, hein, dans le respect de soi et le respect de l'autre, une déconsidération de soi, une considération de l'autre ou un sous-estime ou un surestime de soi. Voilà, je vous engage à être très vigilant sur ce savoir dire non en se disant oui à soi-même. Et on accueille Christian qui est là. Oui. Bonsoir Christian. Bonsoir. Bienvenue. On vous a mis un petit peu au courant de mes petits problèmes. Alors, simplement que vous aviez un problème avec une amie, c'est ça qui vous a quitté. Mais je n'en sais pas plus. Pas très très bien, je m'excuse. J'aurais peut-être pas toujours des réponses par rapport à... parce que ça passe mal. Ah, on vous entend bien là. Ah bon, mais c'est très bien. Moi, oui. Je vous entends un petit peu mieux là. Bon, très bien. Alors, oui, votre voilà, amie vous a quitté. Je vais vous faire un mot aussi, comme les précédents, le petit résumé de mon histoire. Oui. J'ai sorti 5 ans et demi maintenant avec une personne avec lesquelles on a eu des hauts, des bas, on a eu des ruptures, enfin des ruptures. Disons, c'est pour ça que je n'ai jamais trop compris son comportement, parce que pour un oui, pour un non, elle coupait les ponts. Oui. Et puis, dernièrement, j'ai eu des gros problèmes de santé ces 3 dernières années. Et là, dernièrement, je viens de me faire opérer d'un cancer des sinus. Avant, c'était l'année dernière, le cancer du rein. Et puis, maintenant, ça y est, c'est terminé. Pour la bonne raison, elle m'évoque, elle ne veut pas parler que c'est la maladie qui lui fait peur. Mmh. Elle évoque que je lui ai fait des promesses de voyage et que je ne les ai pas obtenues. Et que je Mais fait vous ne les avez pas tenues à cause de vos problèmes de santé, j'imagine. Mais moi, c'est ce que je lui aimais, comme... Moi, j'ai des problèmes de santé, je ne peux oui. pas te... Non, pas, oui. Je ne peux pas t'emmener en voyage en oui. Andalousie comme je veux, à oui, tel moment. Oui, c'est ça, bien sûr, oui. Alors, elle me dit, ah oui, mais c'est toujours le bon... pour elle, c'est un prétexte que je mets, et c'est quelque chose de très, très concret, hein. Et quand vous dites pendant 5 ans et demi, elle vous êtes quitté plusieurs fois, ça oui. allait, ça venait, vous dites pour un oui ou pour un non. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que c'était toujours les mêmes reproches pour lesquels elle vous quittait ou à chaque fois ça a évolué ? Et mais, pourquoi elle revenait ? C'est elle qui revenait ou c'est vous qui alliez la chercher ? Disons que c'est elle qui revenait. Oui. Et comme exemple, par exemple, au début qu'on a fait connaissance. Oui. Eh bien, le matin, je n'avais pas lavé mon bol, par exemple. Oui, on croirait, je ris parce que ça me fait penser à une maman qui dit à son fils de laver voilà, son bol. C'est ce qu'on me oui. dit. On me dit, après, on dit à deux, oui. il faudra que tu passes le coup de balai, que tu participes à tout. En un mot, c'est quelqu'un qui veut cadrer les autres, en fait. Et c'est une personne, à mon avis, qui ne veut jamais avoir tort. Mmh. Et là, j'ai eu des problèmes de santé. Et je pense qu'elle ne veut pas faire face à elle-même de ce problème. Mmh. Et elle trouve des prétextes. Ouais. Et alors, mais elle partait. Là, vous me parlez du reproche, bon, du bol. Mais elle est partie la première fois qu'elle vous a quitté. C'était pour quelle raison ? La première fois qu'elle m'a quitté, c'était. Ça faisait 3 mois qu'on se connaissait. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Elle m'a dit : j'ai envie de faire un break. Bon.
Et elle est revenue. Alors, elle est revenue en disant quoi? et après, elle revient d'une façon, elle est assez. Ben, tout le monde dit que tout le monde me dit qu'elle est assez maligne parce que j'en suis très amoureux. Oui. Ce qui fait que elle va trouver un prétexte pour. Elle dit rien, elle se justifie pas. Mais pareil, on habite là sur le bord de la côte. Eh bien, on va se donner rendez-vous, elle va essayer de tourner, d'appeler par exemple, à la limite même de m'appeler, oui. Et puis de me dire bon, mais est-ce qu'on peut aller manger des moules sur la côte, par exemple. Et puis après, une fois qu'on a fini le repas, moi j'étais prêt à repartir. Hein, Elle me dit mais t'as qu'à me suivre. Et ben j'ai suivi, je suis retourné chez elle et on est reparti comme ça, par exemple. C'est une des oh, ça s'est bien produit 5-6 fois. Et à chaque fois, elle a beaucoup de ficelles à son arc. Hein. Oui, en tout cas, vous êtes très attaché aussi à elle. Et, moi, j'y suis très attaché. Et à chaque fois, les autres fois où elle... Bon, la première fois, c'était pour faire un break. À chaque fois, il y a... qu'est-ce que vous comprenez de ce qui ne va pas, de ce qui fait que ça monte et ça descend? Je vous demande quelles petites explications. C'est que je ne comprends pas. Parce il faudrait que vous... Je trouve que c'est des futilités. Oui, alors qu'est-ce que disent ces futilités? Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner d'autres de ces futilités? D'autres futilités, c'est que je les ai plus toutes en tête. Oui. J'en ai... Ça va être... J'ai pu, justement, en ce moment, je suis fatigué. Est-ce qu'elles se sont... Afin de me remémorer toutes... D'accord. Non, c'est pas grave, question. Est-ce qu'elles se sont, vous pensez, pas respectées par vous, pas écoutées de vous? Vous voyez, parce que quand on commence à reprocher des, comme vous dites, des futilités, c'est que ça cache quelque chose de beaucoup plus profond. Et donc, elle n'est pas, vous voyez, dans son besoin qu'elle n'ose pas vous exprimer. Ce serait plus simple pour vous si vous saviez qu'est-ce qui la contenterait, qu'est-ce qui ferait qu'elle se sente bien. Mais là, manifestement, elle vous donne pas les clés. Donc, elle vous donne pas son besoin tout en vous reprochant qui vous êtes, ce qui est difficile de comprendre. Son besoin, c'était déjà quand on s'est connus, c'était une dame qui était veuve. Et elle veut faire avec l'homme. On a eu un coup de foudre, hein, tous les deux. Oui. C'est vrai que c'était très bien passé. Il y a eu quelque chose de très, très fort entre nous. Et tout de suite, c'est certain qu'elle m'a dit, je veux faire avec l'homme que je vais rencontrer ce que je n'ai pas pu faire avec mon mari. Elle est veuve, hein. Oui. Et c'était quoi, ce qu'elle n'avait pas pu faire? C'est les voyages. Voyager, c'est aller au resto, c'est vivre. C'est là où je comprends pas. On dirait que c'est quelqu'un qui a été qui a manqué de liberté dans un mariage. Je comprends pas là. Oui, elle n'en parle pas. Non, alors ce qu'on comprend dans ce que vous nous racontez, Christian, c'est qu'en fait, elle est arrivée dans votre vie avec vous avec un projet très précis qui était de réparer quelque chose qu'elle n'avait pas eu dans son mariage précédent avec l'homme avec lequel elle serait. Sauf qu'elle ne tient pas compte de qui vous êtes, c'est-à-dire vous nous dites que voilà, ça fait 3 ans que vous avez des gros problèmes de santé et que vous ne pouvez pas donc être dans ce projet-là. Donc elle est en train de se battre toute seule, c'est ce qui fait qu'elle vient et qu'elle part, entre sans doute qu'elle est attachée à vous et en même temps, ça ne rentre pas dans la case du projet. Et comme vous ne pouvez pas satisfaire son projet, et on comprend bien pourquoi, ben, elle vous en veut tout en sachant qu'elle ne peut pas vous en vouloir et ça passe sur des futilités. Oui, voilà, elle m'en veut énormément, c'est ça. Elle m'a dit de toute façon, tu ne tiens pas ta parole, tu n'es pas un homme de parole. Avez promis des voyages, Christian, entre nous. Oui, vous avez sûrement dit, moi aussi, ça me plairait beaucoup de voyager avec toi, ma chérie. La personne, moi aussi, je suis une vie avant, avec qui j'ai fait pas mal de voyages. D'accord. Vous lui avez dit, quand vous êtes rencontrés, ben moi, ça tombe bien, j'aime bien les voyages, on fera des voyages ensemble. Exactement. Oui, normal, voilà. On se rend compte. Depuis... Elle a cru, ce qui était sincère, hein. Elle a cru ses paroles, et comme ça, c'est jamais produit. Eh bien, pour elle, maintenant, à la limite, elle est très déçue. Et Christian, ça ne s'est jamais, jamais produit, c'est-à-dire, même en 5 ans, avant que vous tombiez malade, vous dites que vous êtes malade depuis 3 ans. Donc, dans les 2 premières années, vous avez pu voyager un peu ensemble, faire des petits week-ends? Non, on n'a jamais fait de voyage, de voyage, ce qu'on appelle le mot voyage. On n'a pas fait de voyage, parce que moi, je ne voulais pas précipiter le mouvement. Parce que...
Bah, je sais pas. Ah oui, c'était le début d'une relation. Quand on est sérieux, on fait pas des voyages comme ça. Ça implique quand même pas mal de d'engagement. Quand c'est même, vrai. Hein. Un voyage, c'est des souvenirs, c'est beaucoup de choses. C'est vrai. Et en plus, je venais de, on va dire, d'un veuvage qui était. Je l'ai connu rapidement après avoir perdu la personne avec laquelle je vivais. Ah, d'accord. Qui est décédée? Elle est décédée, la personne avec qui j'ai passé 18 ans. Oui. Et on s'est rencontrés avec l'autre personne 8 mois après, à peu près. Oui. Mais, et elle en était jalouse parce que, à la limite, je lui disais, moi, ça ne me pose pas de problème. Des voyages, j'en ai fait avec moi, je ne vais pas dire de nom, mais avec l'autre personne. Et, après, tu es tout le temps en train de parler de l'autre personne, mais je ne sais pas comment. Ah, si on comprend bien, Christian, il n'y avait pas beaucoup d'amour de la part de cette femme dans son cœur, parce que vous étiez veuf aussi, vous veniez de perdre votre compagne, avec laquelle vous aviez passé 18 ans, vous aviez des souvenirs, il faut un peu de temps dans les relations humaines, et vous avez raison d'être prudent. Et après, en plus, bon, vous avez été pas bien. Ça demandait un certain temps. Donc elle a l'air de rester un peu comme une petite fille. En boucle, hein. Ah bon, en boucle. C'est une petite fille qui. Il y a un côté petite fille un peu gâtée qui veut absolument, ses voyages, ce qu'elle a décidé. Elle vous a choisi pour ça et vous n'obéissez pas entre guillemets à sa demande. C'est pour ça qu'elle vous ennuie pour un bol de petit déjeuner. Après, ça se porte sur des futilités. Au début, on n'était pas encore vraiment. Oui, mais enfin, ça dit beaucoup de choses. Et après, justement, moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que j'ai dit bon, ben, si ça tient à ça, c'est pas bien méchant. Bien le sûr. Coup de balai, c'est pas méchant. Faire le lit, c'est pas méchant. Après, nous, on allait se promener, on s'est quand même beaucoup pris d'excellents moments parce qu'on est c'est sur la côte, et la côte, l'été, il y a beaucoup d'endroits où on en a plage, on a les petits restos, on a des endroits qui sont quand même très agréables pour passer des week-ends heureux, hein. Oui. Mais par contre, ça ne lui suffit pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est voyager. Oui. Alors là, a priori, là, depuis ça fait 6 mois là, qu'on est, qu'on ne se voit plus, quoi, qu'on n'a plus de relation. Et bien là, maintenant, elle est au bal 4 fois par semaine. Et puis, a priori, là, elle a rencontré un bon danseur, parce qu'elle aime bien danser. Et il a un camping-car, il a tout ce qu'il faut. A priori, je pense que ça risque de faire l'affaire, là. Et vous vous dites quoi, là? Moi, je me dis maintenant que je fasse un deuil, c'est tout, hein. Oui, il me semble. Parce que comme dit René, ce qui vous va pas, c'est son mode de fonctionnement. Et vous croyez pouvoir le modifier. Vous n'allez pas pouvoir le modifier, hein. Ah non. Mais je sais pas si quelqu'un est capable de le modifier, parce que c'est quelqu'un qui est très autoritaire. Oui, mais elle ira peut-être très bien à quelqu'un d'autre. Vous, ça ne vous convient pas. Oui, mais je ne sais pas, parce qu'elle a un régime de vie. C'est debout 7 heures le matin. Oui. À 10 heures, il faut que tout soit d'équerre. Oui. Je ne sais pas si un homme de 65 ans, j'ai 70 ans, moi. Elle en a 65. On a passé une vie à travailler, on veut une vie plus calme. Oui, vous n'en savez rien, Christian. On est tous très différents. Et dans les couples, les histoires d'ailleurs qui ne fonctionnent pas, comme après ou plus tard des histoires qui fonctionnent, c'est aussi le fait qu'on est bien ou pas, ou mal assorti. Donc ce qu'on comprend, c'est que vous n'étiez pas très bien assorti. Et peut-être elle s'assortira mieux, elle s'assemblera mieux avec quelqu'un d'autre. En tout cas, elle vous rendait, même si vous êtes attaché à elle, pas très heureux. Alors c'est vrai, quelquefois on est attaché à quelqu'un qui nous rend pas très heureux. Bon, c'est comme ça, les êtres humains. Parfois c'est un peu complexe et douloureux. Mais aussi parce que vous vous êtes sans doute raconté une histoire autour d'elle et que vous l'avez rencontrée juste après votre deuil. Donc vous étiez très seul. Et là, vous vous retrouvez de nouveau seul. Et c'est cette solitude qui pèse. Oui, mais ça, de toute façon, actuellement, il faut que je sois seul. Parce qu'avec la maladie que j'ai, là, par contre, il faut me supporter. C'est très lourd. Mais c'est qu'elle a accepté pendant 5 ans ses reprises. Elle me dit, c'est qu'elle, à chaque fois, elle croyait... que ce que je lui... Parce que quand on reprenait, je lui disais, aussitôt que
Je te promets qu'on fera telle et telle chose. Oui, mais comprenez-moi bien, Christian, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'elle était dans son projet. Elle n'était pas avec vous en tant que personne. Elle vous avait choisi pour réaliser ce projet de voyage. Voilà, et comme ça ne marchait pas, elle revenait en retentant sa chance, et puis finalement, elle s'épuisait. Comme dit Yvan, hein, elle pense à sa personne et à son projet, les autres n'ont pas d'intérêt. Il y a un autre auditeur qui dit « Très exigeante, cette dame n'est pas très compréhensive. Cherchez une femme douce et à votre écoute. » Pardon ?« Très exigeante, cette dame, dit un auditeur, une auditrice, n'est pas compréhensive. Cherchez une femme douce et à votre écoute. » Voilà, c'est une femme qui est très dure. Hein. Eh oui. C'est une femme qui a d'ailleurs... Elle sait pas dire « je t'aime ». Elle ne sait pas dire des mots doux, elle ne sait pas écrire des mots doux. Et pour vous, c'est important, ça, Christian ? Ah oui. Ah, voilà. Bah, vous avez tout dit, là. Ça, c'était important, mais je ne sais pas pourquoi je me suis attaché à cette personne. Ah, bah pourquoi, tiens ? C'est une bonne question, ça, à vous poser. Et ça, je n'ai pas la réponse, parce que justement, maintenant, je commence à l'avoir un peu en me disant... Je me suis attaché à cette personne par il y avait un feeling qui passait entre nous sur le côté tactile. Oui. Donc, on avait le tactile, on avait le côté sexuel. Oui, c'est important. Ce qui était important, le tactile, des points communs. Oui. Mais des points communs, on aimait bien aller dans les magasins, on aimait bien aller à la plage, on aimait bien... Ce qui était en périphérie, je dirais. Oui, alors pas tellement périphérie, parce que la sexualité, c'est pas en périphérie, hein, c'est intime, mais quelquefois, on pense que parce que la sexualité va bien, tout va bien, pas forcément. Les corps se parlaient bien, mais pas les cœurs, manifestement, parce que votre cœur était un peu à sec, là. Mais parce qu'il manquait... C'est pas de la tendresse, parce que justement, c'était quelqu'un qui était très tactile, qui était très tendre. Mmh. On va dire, dans les sensuel. Moments intimes. Oui, sensuel. Sensuel, c'est quelqu'un qui me faisait vibrer. Et oui, et c'est pour ça que vous étiez attaché. Parce que moi, je suis quelqu'un de très tendre et très câlin. Oui. Et ça, pour moi, c'est très important. Et je pense que ça jouait beaucoup dans ma relation. Bien sûr, bien sûr. Mais elle... Et pourtant, elle aussi, elle aime les... Elle l'a dit d'ailleurs à des amis, elle a dit « je ne retrouverai jamais une personne comme Christian dans ma vie ». Mais à la limite, elle préfère se passer de ce qu'elle a eu avec moi, toute la tendresse qu'elle a pu... Parce que j'étais... Votre gentillesse, votre attention, oui. J'étais très attentionné envers elle. Mais par contre, c'est son problème de voyage. Oui, c'est son projet. C'est un peu triste parce ce qu'elle n'a pas remis en cause, c'était effectivement son désir, hein, après le décès de son mari, de dire je vais enfin vivre quelque chose que j'ai envie de vivre avec un homme. Et en même temps, elle n'a pas lâché ça en vous rencontrant, c'est-à-dire en étant dans la connaissance de vous. Par exemple, on peut faire la rencontre, adorer un sport. Je vous donne un autre exemple. Je veux dire, vous adorez monter à cheval, vous rencontrez une femme qui n'a jamais monté à cheval de sa vie, qui a peur des chevaux et qui est allergique aux chevaux. Qu'est-ce que vous faites ? Vous dites je la quitte ou finalement vous dites c'est ce qui est plus important, c'est la relation que je vis. Après tout, je pourrais toujours aller avec des amis ou de temps en temps monter à cheval et c'est pas très grave qu'on monte pas à cheval ensemble. Voilà. Voyez ? C'est ça, et ça c'est important parce que si on veut absolument. C'est ce qu'elle n'a pas fait. Non, c'est ce qu'elle n'a pas fait, exactement. Elle a fait quelques voyages avec des copines, mais elle m'a dit que c'est pas ce qu'elle veut. Elle voulait faire les voyages avec moi. Ouais. Et comme je n'ai jamais pu assouvir ce désir, eh bien maintenant, elle va prendre un terme un peu plus. Je l'ai baratiné. Oui, et puis ce qui est un peu douloureux, c'est que si vous savez qu'en ce moment, elle est avec quelqu'un avec lequel elle va pouvoir assouvir son projet, c'est d'autant plus douloureux pour vous de dire « mais finalement, elle voulait que ça de moi et un autre homme va la combler là-dessus, ce que je n'ai pas pu lui donner. » Non, c'est pas tellement ça qui me fait mal. Tant mieux. C'est pas ce qui me fait mal. Ouais. Ce qui me fait mal, c'est que j'ai peur qu'elle se... Enfin, parce que je l'aime encore, évidemment. Oui, oui. Eh bien, une fois qu'elle aura eu ça, qu'elle se retrouve très déçue. Ah ça, c'est son problème.
C'est son problème, Christian. Oui, il faut qu'elle apprenne. Moi, de l'affection pour elle. Je ne voudrais pas la voir malheureuse. Oui, j'entends, c'est adorable, mais ça peut la faire grandir aussi. Si elle est déçue, elle va comprendre quelque chose. Elle va comprendre peut-être qu'elle s'est trompée. Donc elle grandira. Et puis peut-être qu'elle ne se trompera pas et qu'elle sera quand même heureuse. Voyez-vous, quand vous dites « j'ai peur qu'elle soit déçue », ça, inconsciemment, ça peut vous arranger qu'elle soit déçue, parce qu'au moins ça voudra dire que vous étiez effectivement la bonne personne pour elle. Oui, mais enfin, ça serait rassurant. Ça ne sera pas mon problème. Non, pas le problème actuel. Mais c'est important, et là je vous lis le message de Valet de cœur, cette dame est très, très centrée sur elle-même, monarchique même. Laissez donc son altesse vivre dans son royaume. Il me semble important, Christian, que vous puissiez considérer que finalement c'était pas si assorti, que vous n'étiez pas nourri dans cette relation. Alors certes vous l'étiez, c'est ça qui complique tout, ou en tout cas qui est douloureux pour vous. Vous l'étiez sur le plan sexuel et intime, et ça c'est difficile parce que quelquefois on s'entend pas sur plein de plans, on s'entend sur celui-là, et quand les corps sont attachés c'est très douloureux au moment où ça s'arrête. Ah oui, tout à fait, puis ça tombe mal parce que là je suis en plein problème de santé. Oui. Alors ça fait deux problèmes qui se cumulent. Oui, c'est ça, et vous alors, sentez... Vous êtes entouré, Christian? Vous avez des amis qui prennent soin de vous? Vous êtes entouré? Oui, mais les amis, moi, ils m'ont tous dit, justement, pour me rendre service, oui. Ils me disent, laisse tomber, quoi. Oui, alors ils vont être là pour vous, quand même, là, vous allez avoir besoin d'être bien entouré. Oui. Oui, ils sont là pour vous. Après, vous savez, c'est... Oui, c'est pas du quotidien. C'est pas du quotidien. Tout le temps en train de leur parler de mes problèmes sentimentaux. C'est vrai, c'est pas du quotidien. Ils vont dire, attends, je commence à avoir marre de tes problèmes. Oui, hein. Mais Christian, entre être au quotidien avec une femme qui vous reproche des choses, et ça c'est douloureux, ou être seul à tout prendre, voyez, qu'est-ce qui vaut mieux pour vous? Oui, elle me rend service, en fait. Ah oui, alors là, c'est encore autre chose. Elle vous rendait service parce que vous n'étiez pas tout seul. Elle me rend service en partant. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, c'est ce que vous comprenez, oui. Oui, j'ai cru que vous étiez en train de me dire « elle me rendait service et je la regrette ». Non, vous dites « mais oui, elle vous rend service » parce que finalement, avoir quelqu'un qui vous reproche des choses comme ça, c'est un peu douloureux. Et puis vous avez besoin de garder vos ressources là, dans la maladie. Donc vous avez besoin de penser à vous. Prenez soin de vous, Christian. Et merci. C'est quelqu'un qui n'avait... On pouvait faire ce qu'on voulait, elle n'était jamais satisfaite. Ouais. Merci Christian, je dois vous quitter, c'est le journal. Et soyez dans le soin de vous. Il est minuit, vous écoutez Europe 1. Vous écoutez Europe 1 et c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore une heure pour nous confier un peu de vos joies et de vos peines, un lieu de partage et d'échange où nous nous écoutons et nous nous répondons. Quentin et Corentin sont là à l'antenne et répondent à vos appels au 39 21, et c'est Maxence Destop qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit. Vos commentaires sont précieux pour aider les auditeurs et m'inspirent bien souvent des éléments de réponse. Et puis vous pouvez également dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Brigitte. Oui, bonsoir. Bienvenue. Merci de prendre votre appel. Oui. Excusez-moi, je suis très. Ça fait longtemps que je vous écoute. Oui. Et là, je vous appelle parce que je suis un peu désarmée vis-à-vis d'une relation qui n'a de cesse que de me
de me faire du mal, en fait. Oui. J'ai connu un homme il y a à peu près 4 ans et un petit peu après, il a été au chômage. Je l'ai beaucoup aidé. Et malgré tout, je sentais pas de la sincérité dans son comportement, dans mon intuition, en fait. Oui. Mon intuition féminine me disait que... Enfin, je sentais, ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose de bah, je sais pas, je saurais pas du, je savais pas quoi, mais quelque chose qui était pas dans l'axe, pas... Ouais, pas bien pour vous. Voilà. Mmh. Et malgré tout, j'ai voulu vivre cette relation parce que bon, c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas connu d'homme. Et donc je me suis un petit peu lancée dans cette relation et je me suis attachée à cet homme. Qui n'a eu de cesse progressivement que de m'humilier. Et malgré tout, je me suis quand même... après, j'ai compris que c'était par rapport à mon passé aussi. J'ai revécu tout mon passé à travers lui, en fait. Oui. Mes relations affectives, mes relations d'attachement. Oui, oui. Mes relations à ma mère, notamment, ouais. qui avait été une relation répulsion, pas répulsion dans le sens où elle ne m'aimait pas, mais elle en avait marre de moi. Enfin, c'était quelqu'un qui était battu, une femme battue, qui avait eu un troisième enfant, dont moi, et qui avait envie d'être tranquille. Elle n'avait pas envie d'un troisième enfant, en fait. Et donc, j'étais très, très demandeuse d'affection, bien sûr, comme tout enfant. Et comme c'était ma seule source d'attachement, ma mère, puisque mon père, il buvait, il battait ma mère. Et donc, j'ai trouvé à travers cet homme une figure comme ça d'attachement, un peu d'humiliation, de... Enfin de la façon d'être aimée que vous connaissiez. Voilà, c'est ça, tout à fait. La façon qu'avait votre maman voilà, de vous aimer. Tout à fait, c'est ça. Vous faites une excellente analyse, Brigitte, de ce que vous vivez. C'est très juste que dans une relation, dans toute relation d'ailleurs amoureuse, on revit nos relations d'attachement et que souvent, quand on ne comprend pas, comme vous, le fait de rester, vous dites 4 ans avec un homme qui, vous dites, n'a cessé de me faire du mal durant 4 ans. Aujourd'hui, vous mettez des mots, vous comprenez le sens. Oui, je comprends, oui. Et vous en êtes où alors dans cette relation? Elle est terminée ou elle se poursuit toujours? Je voulais mettre un terme et lui revenait. Ah oui. En fait, moi je revenais. Oui. Aussi, il y avait ça, quoi. Oui. Je reviens, je m'en vais, je reviens. Oui. J'étais attachée comme. En fait, c'est quelqu'un que. J'ai aimé sa peau aussi. Oui, oui, oui. Et comme un enfant, quoi. Oui. Voilà, j'ai retrouvé ce côté infantile, en fait, dans cette relation. Et en fait, c'est une relation que j'ai beaucoup de mal à mettre dans la raison. En fait, me dire que c'est pas quelqu'un qui est bon pour moi. Il y a ce côté tactile, en fait, ce côté de peau à peau. Dont j'ai du mal à me détacher. Oui. Et il n'a de cesse que de jouer avec ça, en fait. De venir sous ma fenêtre, parce que j'habite un petit village, embrasser une autre fille. Oui, c'est très, très dur. Hein, oui. Il joue avec vos sentiments, avec vous. Il joue avec moi, comme il joue avec mes sentiments. Comme un chat avec une souris. Voilà, tout à fait, c'est tout à fait ça. Oui.
Brigitte, qu'est-ce qui... alors que vous avez effectivement une très bonne analyse, et c'est vrai, vous avez raison quand vous dites la raison échappe à quelque chose qui est plus fort. Et en même temps, vous avez dit quelque chose au tout début qui m'a semblé très important. Vous avez parlé de votre intuition. Et l'intuition, c'est pas la raison, justement. C'est vraiment le tréfonds qui dit attention, danger, je ne suis pas bien, écoute ça. Parce que j'ai jamais pu m'abandonner, quand on faisait l'amour, j'ai jamais pu m'abandonner à lui, par exemple. Oui. Parce que je sentais qu'il y avait... Que c'était un danger. Voilà. Et mais malgré tout, il y avait quelque chose quand même de cet ordre-là. Oui, malgré soi. Oui, malgré soi, il y avait de cet ordre-là quelque chose qui m'attachait à lui. Oui. Et il faisait en sorte aussi, quoi. Que je m'attache à lui. Bien sûr, il a tout fait pour. Voilà. La chose qui peut être la plus aidante, Brigitte, dans ce genre de situation que vous vivez, et la seule chose qui sauve, c'est la décision, en son âme et conscience, pas de raison, une décision qui vient vraiment du fond de soi. De l'âme, hein, de la conscience de soi, de la conscience de qui on est, quelle est la personne qui vit ça. Je suis Brigitte qui vit cette chose, cette relation qui me fait tant souffrir, et je décide pour moi-même et par respect pour la femme que je suis hein, et pour l'être sacré que je suis, de mettre fin à cette relation. Une décision que vous allez prendre pour vous, qui n'est loin de là, ce n'est pas la raison. Oui, et c'est pour ça que je vous appelle, justement. Ouais. Parce que je ne veux plus... Parce que, en fait, il a encore essayé de me titiller parce que il est venu dans mon village en train de draguer une autre fille. Et donc, je sais que, effectivement, que je... Et c'est pour ça que je vous appelais, pour m'empêcher de lui dire qu'il me faisait mal, quoi. Pour cesser tout contact avec lui, quoi. Oui, c'est tout contact, parce que lui dire que... J'aurais voulu avoir un dialogue vrai avec lui. Mais il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Lâchez ça. Lâchez ça, parce que puisque en voulant un dialogue vrai, c'est comme si vous vouliez qu'il soit différent de ce qu'il est. Voilà. Et donc, vous recontinuez toujours le même schéma. Voilà. C'est « j'aimerais que maman... » n'est pas été la maman qu'elle était. Voilà. Et donc, je l'espère toujours autre. Il y a toujours cet espoir que l'autre soit différent. Et il n'est pas différent. Non, donc, la décision, vous devez la prendre par respect pour vous, Brigitte. Oui. Et pour prendre cette décision, vous avez besoin de faire appel à une émotion qui je pense, peut être là en vous écoutant, qui est la colère. Il faut que vous vous serviez de votre colère, Brigitte. Mais la colère, ça me donne envie de l'appeler et de lui... Et de l'insulter. Voilà, c'est ça. Mais vous allez pouvoir le faire parce qu'il va essayer de revenir, non ? Il essaye de revenir ? Il a essayé plusieurs fois, oui. Et là, vous avez fait appel à votre colère ? Oui, mais bon, il y avait aussi l'envie que ça soit qu'il soit différent. Le fantasme toujours. Qu'il soit différent. Voilà. Donc il était encore là. Il y avait encore cette discussion autour de ça. Voilà. C'est-à-dire que moi, je me créais dans moi-même le fait de pouvoir enfin me dire qu'il allait être différent, qu'il allait comprendre que... Ouais. Vos besoins, la femme que vous étiez, vous aimez vraiment, telle que vous êtes. Oui. Mais non, c'est pas... Oui. Non, Vous pouvez vous servir de votre colère sans contact avec lui, votre colère qui va vous permettre de décider de couper le lien. Oui. Le lien que vous avez encore et qui vous fait encore souffrir puisqu'il vous nargue et que ça vous touche. Oui. Pour voir vous détacher de ce lien pour que aucun de ses agissements, et d'ailleurs il cessera quand il sentira que ça ne vous fait plus rien. Oui. S'il le fait, c'est bien qu'il sent qu'il a encore du pouvoir sur vous. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et pour lâcher ce pouvoir, c'est vraiment prendre cette décision au fond de vous et bien contacter cette colère et se dire la femme que je suis ne peut pas supporter ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mmh. C'est tout à fait en adéquation avec ce que je sens. Oui. Que
que j'ai besoin de respect. Bien sûr. Tout à fait. Ouais. Et là, comme ouais. disait, voilà, il y a Frisia, Valet de cœur, là, tous mes auditeurs parlent de manipulateurs, hein, de fuir. Oui. Ils jouent avec vos sentiments, ils vous manipulent, c'est ça la manipulation. La perversion, c'est quand on joue de l'autre, on se joue de l'autre. Oui. Et ils se jouent de vous, de la femme amoureuse, attentionnée, qui est prête à le changer, et ils vous met en échec. Oui. C'est tout formidable, Brigitte, que vous ayez pu, j'allais dire, retraverser ou revisiter les liens d'attachement avec votre maman. C'est aussi vous dire que cette relation a été là pour quelque chose dans votre vie et vous a permis. Elle a un sens. Elle a un sens pour refermer une porte. Oui. Oui, oui, c'est ce que je... C'est ce que je me dis, enfin, c'est ce que la raison me dit, mais il y a quand même un truc qui me dit, oh putain, c'est type. <Oui. rire> j'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi pervers, en fait, de ma vie, et parce que j'avais toujours eu des relations honnêtes, quoi, en fait. On se quitte et on est. C'est ok, quoi. On se quitte comme ça, et puis on s'est aimé, et voilà, on se quitte. Et là, ça n'a de cesse, quoi. Ça n'a de cesse que de jouer avec ça, et c'est vraiment douloureux, en fait, pour quelqu'un qui est sincère, quoi. Et qui n'a pas l'habitude de ce genre de comportement. Bien sûr, mais c'est justement parce que vous êtes sincère que vous avez aussi rencontré sur votre chemin. C'est aussi parce qu'il y avait ce lien d'attachement à votre maman où vous avez imaginé que ce lien pourrait se réparer comme ça. Oui. Ce qui était. Oui, d'ailleurs, je ne vois plus ma mère. Oui. Je ne vois plus ma mère. Non. Mmh. C'est vrai que j'ai rompu les contacts il y a. Oui, c'est quelqu'un qui a été très très négatif en fait, qui n'a pas participé à mon épanouissement quoi. Ouais. En tant que femme, je n'ai jamais eu de reconnaissance. Elle n'a jamais accepté que je grandisse et que je devienne une femme quoi. Oui. Oui, elle n'a. Elle était jalouse de vous. Voilà, jalouse, oui. Elle n'a jamais été heureuse. Vous étiez une menace, finalement. Oui, la même façon, vous êtes aussi une menace en tant que femme pour cet homme, hein, pour les manipulateurs et dans la perversion. C'est que cet autre représente une menace et donc il manipule pour justement détruire cette menace qu'il ressente. Voilà, c'est ça que j'ai l'impression. Oui, c'est un sentiment que j'ai l'impression de destruction. Oui. Alors, c'est important, Brigitte, aussi, vous avez dit, même alors que j'adore sa peau et que j'adore se toucher, même en faisant l'amour avec lui, je me lâchais pas complètement. Oui. Votre corps dit quelque chose là qu'il faut écouter. Vous voyez, là encore, il s'agit pas de la raison. Il s'agit de vous écouter au plus profond de vous et aussi votre corps. Même si après, quand vous dites ah oui mais c'est dur parce qu'il me plaisait bien, reconsidérez tout ce qui vous plaisait chez cet homme, un peu comme le négatif d'une photo, enfin ces anciennes photos argentiques, c'est comme une même image en contraste, parce que finalement ce qui vous plaisait est aussi ce qui ne vous plaisait pas, ça marche ensemble. Oui. Et vous avez besoin de reconsidérer ce qui vous a plu pour comprendre à quel point ce qui vous plaisait était toxique pour vous. Oui. Ah oui. Oui. Ah oui, dans ce sens-là, oui, je comprends, oui. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant, Brigitte? Déjà, ça m'a fait du bien de vous parler. Oui. Ça va m'éviter de lui envoyer un SMS. Si vous lui envoyez un SMS, vous continuez le lien, il attend que ça. Voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit. Il attend que ça. C'est pour ça que je vous ai appelé. Oui, il attend que ça parce que ça va être la petite brèche par laquelle vous allez renouer. Même un SMS violent, même de la colère, ce sera toujours du lien pour lui. Voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je vous ai appelé. Oui. Pour m'éviter d'envoyer. Ah oui, il y a une auditrice qui donne effectivement un très bon conseil aussi, qui vous conseille d'aller voir le film Mon Roi. Très très bon conseil. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non. Non, avec Vincent Cassel. Et qui dit, Lydie dit, au lieu de chercher l'amour d'un autre, il faut s'aimer soi-même, car là est la source du vrai amour. Oui. Et ainsi, on attire à soi des personnes sur la même vibration. Oui, je suis sur ce chemin, puisque je vois une psychologue. Une femme qui est extraordinaire, qui est une femme aveugle. Oui. Et qui m'a vraiment ouvert sur beaucoup de pistes. Oui. Dans ce chemin-là de l'intuition, justement, de faire attention à son ressenti et donc de... Oui, de vous contacter vous-même, de en me fait. Contacter, voilà, de, d'être... de vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. De pouvoir vous centrer aussi dans votre axe, parce que là, vous êtes désaxé, et vous êtes désaxé, en fait. Voilà, c'est ça, il cherche à me désaxer, oui, tout à fait. Alors, en revanche, votre colère, et c'est ce que dit Mam, qui dit, écrivez à votre colère, dites-lui ce que vous voulez lui dire, et ce, depuis longtemps. Prenez un joli cahier, achetez-vous un très joli cahier, Brigitte, demain, joli stylo, enfin voilà. Ouais. Et puis, ce sera votre cahier de colère. Et vous allez écrire éventuellement à cet homme tout ce que vous avez envie de lui dire, tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Ouais. Et voilà, chaque jour, écrivez un peu vos lettres de colère. Oui. Ça va vous soulager et ça va vous permettre justement de pas avoir cette de détricoter le lien à son insu et il le sentira. Ouais. Parce que si vous lui envoyez même un message de colère, de haine, ça sera l'inverse, ça regrettera le lien. Donc en allant poser sur un joli cahier, tout ce qui vous agite, toute cette colère que vous avez en vous, et peut-être après vous pouvez le brûler d'ailleurs, ce cahier, vous n'êtes pas obligé de le garder, et vous faites partir en fumée l'histoire. Oui. Oui, notre inconscient comprend très très bien les images, les symboles et les rituels. Oui. Notre inconscient fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça la nuit, en rêve. Oui, je pense. Et donc, dans la vie consciente, il nous faut quelquefois, sur des choses qui sont difficiles pour nous, poser des actions ou des rituels où l'inconscient va prendre cette image et va comprendre que l'histoire est finie. Oui. Oui, je pense que c'est de ça dont j'ai besoin, oui. De cracher ma colère. Oui. D'avoir été manipulée. Et de renoncer. Choisir, c'est renoncer. Oui. Vous devez faire un choix. Oui. Brigitte, cette histoire vous impose de faire un choix et de renoncer. Oui. Et ce renoncement sera salvateur pour vous. Oui. Je pense aussi, oui. Ouais. Et ce n'est pas la raison. Parce non, que là, vous, le niveau logique sur lequel vous mettez, vous voyez, votre raisonnement, disons, oui, c'est la raison qui me dit d'arrêter, mais au fond de moi, en fait, j'ai plutôt toujours envie, etc. C'est pas tout à fait juste. Ça, vous pensez que vous êtes raisonnable en arrêtant, parce que c'était quelque chose de passionnel et qu'il y avait des grands moments, sûrement très magnifiques avec lui. Donc, même pas. Bah, alors, vous voyez, alors zut, alors, s'il y avait même pas ça. Même pas. Bon, bah alors voilà, sans regret, ni fleur ni couronne pour cet amour-là. Hein. Bon, il y a même qui dit effacer le numéro de téléphone de cet homme. Ne répondez plus à ses appels, SMS, etc. Non, c'est vrai. Oui, peut-être. Ouais. Bonne chance, Brigitte, dans votre chemin. De votre appel. Et puis merci pour vos émissions, parce que je vous écoute beaucoup. Oui, bah, tant mieux. Prenez soin de vous, hein, Brigitte. Surtout, hein, pensez à vous. C'est important. Au revoir, Brigitte. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 39-21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. La gloire à mes genoux, chantée par Côme. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bienvenue. Pardon ? Bienvenue dans la Libre Antenne. Bienvenue. On vous accueille, oui. Qu'est-ce qui vous amène alors jusqu'à nous ? Alors, je vous explique ma situation, parce que je suis vraiment très très désespérée. Oui. En gros, j'étais au lycée avec un garçon en seconde, avec qui je partage, enfin, qui n'était pas spécialement mon ami. Enfin, on était juste copains de classe.
Et ensuite, en première, il est parti pour, dans une autre ville pour aller faire ses études. Mmh. Et on ne s'est pas parlé, on ne se parlait pas, on se parlait juste via les réseaux sociaux. Mmh. Et en fait, cette année, j'ai posté une photo sur le réseau social Instagram. Mmh. Et il est venu, en fait, il est venu à moi en me disant que j'étais belle dessus, etc. Mmh. Donc, moi, je n'ai pas été réticente. Donc, on a commencé à parler et on a eu un bon feeling. Mmh. Et depuis ce jour-là, en fait, on parle depuis 3 mois non-stop. Oui. Tous les jours au téléphone, tout le temps par message. Oui. Mais en fait, je suis en train de me poser des questions parce qu'il est venu à Paris ce week-end. Oui. Il m'a inventé une excuse comme quoi il m'a pas proposé de le voir ni quoi que ce soit. Il m'a inventé des excuses. Et quand je l'ai eu au téléphone, c'est 2 jours. En fait, il reste de marbre, il me dit rien du tout. Et en fait, moi, je sais plus quoi faire. Je sais plus si je dois lâcher l'affaire ou si je dois rester à attendre. Je sais plus quoi faire, en fait. Ouais. Donc, Isabelle, j'ai besoin d'un avis neutre. Ouais, vous avez 19 ans, c'est ça? Oui. Oui. Et lui, donc, vous habitez Paris, enfin, ou la région parisienne, et lui habite à quelle distance? 400 kilomètres. D'accord. Et il vient régulièrement ou il est venu juste ce week-end? Non, il vient régulièrement. Non, pas régulièrement. Oui. En 2 à 3 fois dans le mois. Alors, justement, parce que vous me dites que ça fait 3 mois que vous vous parlez tous les jours au téléphone. En 3 mois, il est venu plusieurs fois à Paris, donc? Oui. Ah oui. Et j'ai oublié de vous dire que je l'ai vu une fois. Ouais. Oui, excusez-moi. Il y a 3 semaines, je l'ai vu, ça s'est très bien passé. Ah, d'accord. C'était très bien. Oui. Sauf qu'au final, en fait, tous les jours, il me dit oui, tu me manques, j'ai envie d'être avec toi, etc. Mais on n'est pas en couple, on ne sort pas ensemble. Mais après, les actes ne suivent pas, enfin, les paroles ne suivent pas les actes. Je comprends. Donc, c'est-à-dire qu'il vous parle d'amour et de sentiments, alors qu'en fait, vous ne vivez rien du tout. Voilà, c'est exactement ça. Vous ne vivez rien de concret. Même quand vous vous êtes vus, finalement, il vous a embrassé quand vous vous êtes vus? Oui, oui, oui. Oui, bon, quand même. Au moins. et mais après, bon, ça c'était il y a 3 semaines, il est venu ce week-end et il vous a pas proposé en fait, de vous voir. Ouais. Non, pas du tout, j'ai attendu toute la journée. Et en fait, la veille, on avait parlé par message et il me disait plein de trucs gentils, mignons. Et en fait, samedi, il n'a rien du tout, rien. Vous avez attendu toute la journée, j'ai pas d'excuses. Voilà. Ah, il a dit oui, j'ai pas d'excuses. Oui, il a dit oui, je suis désolée, j'ai pas d'excuses. Je m'en veux. Enfin, il n'a pas dit grand-chose, en fait. Oui. Oui. Alors, vous savez, Isabelle, ce que vous allez faire, c'est que vous, la prochaine fois, alors j'imagine c'est demain que vous allez vous parler. Oui. Il faut que vous lui parliez de ce que vous vivez, vous. C'est-à-dire, vous allez lui dire que vous n'avez pas du tout apprécié ce week-end. Non seulement, bien sûr, de l'attendre, mais quand il dit « j'ai pas d'excuses », vous vous posez la question de savoir à quoi ça rime. C'est-à-dire que vous ne le jugez pas, c'est pas du reproche, hein. Entendez-moi bien, l'idée c'est pas de lui faire une scène, mais c'est de lui dire, écoute, d'un côté tu me parles de sentiments, on se dit des jolies choses, il y a 3 semaines tu m'embrasses, tu viens à Paris ce week-end, tu me dis bah oui c'est vrai j'aurais pu te voir, j'ai pas d'excuses, et puis là on va quoi, on va continuer à s'appeler encore tous les jours, mais ça rime à quoi? Posez-lui la question. Ah oui. C'est ce que j'ai dit, et je lui ai dit, mais moi je veux savoir si vraiment tu as envie vraiment envie d'arrêter de me parler, je préfère que tu me le dises maintenant, oui, comme ça on arrête. Ben oui. Sauf que lui à chaque fois, je veux continuer à te parler, je veux continuer à te parler en fait. D'accord, et donc vous, c'est pour ça que je comprends. Je comprends. Et vous, vous voulez quoi, Isabelle? Moi ce que je veux, c'est que, en fait moi j'ai envie d'être avec lui, parce que je pense que niveau caractère, il me correspond vraiment bien en fait. Oui. Mais le problème c'est que... En fait, j'ai l'impression que c'est un garçon qui a peur parce qu'il n'est jamais vraiment sorti avec une fille et il n'a jamais autant parlé avec une fille comme, enfin, autant que moi. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être qu'il a peur. Donc, je ne sais pas, c'est pour ça que je demande conseil. Oui. Parce que... Il a 19 ans, lui aussi. Il a le même âge que vous. Oui. 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 Et alors, peut-être, votre analyse me semble juste, Isabelle, c'est que sans doute, il a peur. Il est aussi peut-être beaucoup dans le fantasme. Et ça c'est possible aussi, c'est-à-dire qu'il préfère avoir cette relation à distance, comme ça il a le sentiment qu'il n'y a rien d'engagé
Et il vous a, j'allais dire, un peu sous la main, pardonnez-moi, mais voilà. Non, mais vous avez totalement raison. Voilà, il vous a à disposition. Donc, il sait qu'Isabelle, bah, c'est cool, parce que tous les jours, il a son ami à qui parler. Il lui raconte des mots d'amour, comme, un peu comme un rodage. Il a 19 ans, donc voilà, il se teste en tant que garçon. Mais il n'a rien à vous proposer. En fait, la preuve, voilà, c'est exactement. Que ce week-end, il est venu. Il vous a pas vu, mais d'ailleurs, quand il vous dit « j'ai pas d'excuses », c'est presque aussi une façon de vous dire « en fait, j'ai rien à te proposer ». Oui, voilà, exactement. Ouais. Mais j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que tous les jours, en fait, donc ce matin, par exemple, alors qu'hier, on s'est un peu quitté en mauvais terme, vous voyez, il m'envoie des bonnes journées, exprès pour que je lui parle, alors que j'ai pas à lui parler, puisque c'est lui qui fait les choses. Mais il continue quand même à me parler. Alors que je ne comprends pas pourquoi, en fait. Mais il occupe le terrain. Il vous a sous la main et ça lui va bien. Un peu dans une relation fantasmée, vous êtes un peu sa chose à distance, qu'il peut contacter par portable, par message, toujours disponible pour lui, qu'il attend et ça lui va bien. Et vous, exactement. Ça ne vous va pas. Donc non. Ça va Mais devoir est-ce être... Que pensez, oui. Est-ce que vous pensez que si je lui fais comprendre qu'il risque de me perdre, vous pensez que ça peut lui faire quelque chose ou pas? Ben justement, ça, c'est à tester ça, Isabelle. Pas qu'il risque, c'est de lui dire, écoute, ça me fatigue un peu, vous voyez, prenez un peu de distance. Moi, ça me fatigue un peu tous ces messages, tous ces appels. C'est bien sympa, tous ces appels et ces messages, si on se voit. Parce qu'effectivement, ça entretient. Hein. C'est-à-dire qu'avec la distance, on se voit, mais quand on ne se voit pas, on entretient la relation. Mais vous allez lui dire, on ne vit rien ensemble. En fait, on vit rien de concret. On s'est vu une fois il y a 3 semaines, mais en fait, on vit rien. Donc, en fait, je comprends pas bien pourquoi on entretient quelque chose qui n'existe pas, d'une certaine manière. On entretient c'est une relation, mais la relation n'existe pas. Donc, ça rime à rien. Il montre vraiment, vraiment pas ses sentiments, en fait. C'est vraiment un garçon. Tout à l'heure, je l'ai encore au téléphone. Je lui ai demandé de me dire ce qu'il avait à me dire. Non, il me dit juste « oui, moi, si t'arrêtes de me parler, au fond, je m'en fiche ». Alors que je sais très bien que si j'arrête de lui parler, il s'en fichera pas. Mais c'est peut-être une carapace qu'il a, je sais pas du tout. Vous me disiez qu'il vous parlait de sentiments et qu'il avait l'air... Non, qu'il vous faisait des déclarations, non? Non, quand il m'a jamais fait de déclarations. Ah, quand il vous parle, il vous parle de quoi? Tous les jours. En général... il me dit beaucoup. En fait, il m'appelle par des petits surnoms ou il me dit toujours. Parfois, il m'envoie des tu me manques, j'ai envie d'être avec toi. Beaucoup de choses comme ça. Il joue à l'amour. Voilà. Il joue à être amoureux. Oui. Voilà. Et moi, quand je lui dis, mais si tu veux vraiment arrêter de me parler, dis-le-moi clairement. Non, lui, c'est non. Je veux continuer à te parler. Sinon, je serai pas derrière toi. Et à chaque fois qu'on s'engueule, il revient tout le temps, en fait. Il revient souvent. Oui, c'est bien parce que vous êtes là et qu'il joue un peu avec vous, en fait. C'est un peu un jeu. Exactement, c'est ça. Et vous, c'est pour ça que ça vous commence à vous... Vous voyez, ça me fait penser un peu à l'histoire en moins forte de Brigitte. Tout à l'heure, vous êtes toute jeune, Isabelle. Mais quand même, ce garçon, il joue un peu, là, comme avec une jolie petite souris. Je t'attrape plus, t'es là, t'es pas là. Je viens à Paris. Oh, bah, trop bête, hein, trop bête, j'ai pas pu te voir. Exactement. Oui. Donc, maintenant, je pense que je vais lui poser un ultimatum, à mon avis. Ça me semblerait bien, mais surtout d'écouter votre besoin, Isabelle, c'est-à-dire vous avez envie de vivre quoi avec ce garçon et donc de ne pas déroger à ce dont vous avez besoin. Ça, c'est très important pour vous à 19 ans. Vous êtes encore toute jeune, hein, mais de naviguer en fonction de ce qui vous convient. Si vous appelez ce soir, c'est aussi la preuve que ça vous convient pas, que ça vous pose question. Il y a Valet de cœur qui dit, il est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit pas. Et plus on le cherche, moins on le trouve, fuyant. C'est exactement. Un beau message, ça. Et en fait, il a jamais été amoureux. Il n'est jamais sorti avec une fille. La dernière fois qu'il lui a dit qu'il voulait sortir avec elle, il sortait avec elle 3 jours. Après, il l'a laissé parce qu'il ne voulait pas. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être le fait qu'il ait peur parce qu'il a une fille bien devant lui. Oui, je sais mais pas. Isabelle, ça, c'est le piège. Parce que c'est le piège pour vous, en tant que jeune fille et jeune femme, c'est de vouloir sauver un garçon, voire un homme qui a peur.
Voilà, parce que vous allez faire plein d'efforts en disant le pauvre, il a peur, mais moi je vais être la jeune fille formidable qui va le réveiller, qui va vraiment le réveiller à lui-même, le rendre heureux. Moi je vais être vraiment cette femme-là pour lui. Et vous allez vous épuiser, Isabelle. Attention, attention, parce que là c'est vous. Il y a petite sirène hein, qui dit attention, Isabelle, de ne pas vous perdre dans cette relation. Soyez claire avec lui, exposez-lui fermement, mais sans brutalité, ce dont vous n'avez pas envie. Elle a raison, petite sirène. Mais ne vous soumettez pas à son jeu s'il n'est pas si humain. Il est très bien ce message, effectivement. Hein. Ce dont vous n'avez pas envie, finalement, plus que ce dont vous avez envie, parce que c'est plus difficile de savoir ce dont on a envie, mais c'est plus facile de savoir ce dont on n'a pas envie, c'est très net, c'est tout de suite. Mm-hmm. Et puis, ne vous soumettez pas à son jeu s'il n'est pas si humain, parce qu'il n'est pas très humain, son jeu. Exactement. On peut jouer, hein, en l'amour, c'est amusant de jouer, mais il ne faut pas que ce soit un jeu où on se fait mal. Mais en fait, quand j'ai commencé à lui parler, moi, je lui ai toujours dit, moi, je ne suis pas une fille comme ça. En gros, moi, si je parle avec un garçon, c'est vraiment pour être avec lui. Et moi, je pensais qu'il avait compris, sauf que tout à l'heure, il m'a encore dit, qu'est-ce que tu veux? Et moi, je lui ai dit, moi, je te forcerai pas, mais en gros, je veux vraiment... Genre, j'aimerais bien avoir une relation avec toi. Et il ne m'a pas répondu, en fait. Enfin, il m'a fait... Oui, c'est Cathy hein, qui demande est-ce que finalement, comme il connaît pas beaucoup de filles, est-ce qu'il cherche une initiatrice? Je sais pas. Mais en tout cas, vous, c'est tentant. C'est que forcément, pour vous, c'est très tentant et très appétant de se dire ah, je serai celle qui va l'aider, qui va l'ouvrir aux filles, qui va. Hein, ça vous donne un rôle, un garçon un peu mystérieux comme ça, qui a l'air un peu mystérieux, un peu malheureux, un peu pas à l'aise, mais à la fois à la fois le sucre. Oui, bah oui, ça fait très envie. C'est mais, vrai. Mais il risque de vous faire tourner en bourrique. Hein. Mais c'est ce que je lui ai dit. Ouais. Mais à chaque fois, il me dit oui, si vraiment je m'en foutais de toi, j'irai voir d'autres filles. Toi, je serai pas tout le temps téléphone avec toi. Enfin, tout le temps des petits trucs comme ça, en fait. Oui, ça lui permet de garder le lien. Il essaye de vous rassurer comme ça. Vous n'avez pas envie d'un garçon qui vous appelle tous les jours, si je comprends bien, et qui, quand il vient à Paris, il a zappé. Mmh. Hein, il a complètement oublié de passer vous voir. Voilà, exactement. C'est quand même étrange. C'est important, ça, Isabelle. C'est important. Je ne sais pas s'il a eu peur, je ne sais pas. Si vous dites qu'il a eu peur, vous êtes déjà en train de l'excuser, de lui donner des circonstances, on va dire, atténuantes, et de supposer que c'est un pauvre jeune homme en détresse que vous allez chercher à construire, à cajoler, à rassurer, que vous allez être cette jeune femme merveilleuse pour lui. Mais je rassure, justement, moi-même. Et beaucoup trop, même, beaucoup trop. Et vous, qu'est-ce qu'il fait pour vous dans tout ça? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Franchement, il ne m'apporte rien. Alors ça, c'est clair et net, là. Je crois que vous l'avez, votre réponse, Isabelle. Non, mais en fait, je l'aime beaucoup parce que quand on est au téléphone, on rigole beaucoup, on a vraiment les mêmes centres d'intérêt. Mais en fait, quand il vient à Paris, quand il est dans sa vie, ce n'est pas du tout la même personne, en fait. C'est-à-dire... deux personnes différentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il montre de lui? Quand il est à Paris, vous dites dans sa vie. Quand il est à Paris, il est froid, il ne s'intéresse pas du tout à moi. Et quand il repart, c'est le plus gentil des hommes. Oui, ben voilà, c'est Jekyll et Mr. Hyde, c'est deux visages. Voilà, exactement. C'est dangereux, Isabelle, ce que vous vivez. Dangereux pour vous. Hein. Dangereux parce que si vous vous attachez à quelqu'un comme ça, comme dit David, hein, ils vivent la franchise. Hein. C'est vrai que voilà, jouer ça fait partie de la vie, mais dans l'amour, attention. Et c'est important pour vous, Isabelle, que vous y trouviez quelque chose qui vous comble. L'amour, ça nous comble. À quoi on reconnaît un bel amour? C'est qu'il nous rend heureux, il nous comble. Mais en fait, moi, j'ai vraiment envie qu'il ait un déclic, en fait, dans ce... Oui, mais vous avez envie pour deux. Attention, encore une fois, c'est toujours ce même scénario. J'ai envie pour lui, j'ai envie qu'il ait un déclic, je voudrais le rendre heureux, je voudrais qu'il ait moins peur. Vous voulez tant de choses pour lui. Vous voulez les choses pour vous et pas pour lui. C'est vrai. Ouais. Mais est-ce que vous pensez que... une amie à moi peut lui faire passer le message ou ce serait directement à moi de le faire? C'est-à-dire, quel message? Alors, en fait, j'ai ma meilleure amie qui est une fille que je connais depuis 12 ans.
Oui. Et elle est très forte pour raisonner certains garçons. Oui. On l'a déjà fait ensemble toutes les deux. Et elle voulait le faire avec lui. Sauf que je ne sais pas si c'est une bonne idée, en fait. Mais le raisonner, c'est-à-dire le faire changer ? C'est quoi le raisonner pour vous ? Qu'ils se rendent compte, en fait, qu'il y a vraiment un gros problème et qu'ils risquent du jour au lendemain que je parte, que je ne lui parle plus du tout, en fait. Oui, donc lui faire prendre conscience qu'il est en train de jouer un jeu qui ne va pas bien. Voilà, qui est... exactement. D'accord. Et elle enverrait un message en son nom à elle ? Elle le connaît ? Non, elle l'appelle. Oui, elle le connaît. Elle le connaît un petit peu. Elle le connaît et l'idée, mais l'appellera. Elle l'appellera pour lui parler exactement. De vous. Exactement. Oui. Oui, et vous en pensez quoi ? Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que je la connais et je sais comment elle parle, mais je ne sais pas comment lui va réagir face à elle, en fait. Oui, mais l'intention, c'est... Vous voyez, votre intention, c'est de dire « je veux le raisonner ». Du coup, vous perdez la main, Isabelle, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites porter par une amie un message toujours dans la même intention, c'est l'intention de le faire changer. Oui, c'est vrai. C'est dur. Hein. C'est un peu dur. Et puis, si vous voulez, lui, comme il est en train de jouer, en quoi ça va changer son jeu, puisqu'il est différent quand vous le voyez et différent en message ? Je ne sais pas. Donc, vous aurez justement, affaire auquel ? Justement, aucune idée. Ça se trouve, j'aurai affaire à celui qui est à Paris ou je ne sais pas. Bah celui de Paris, plutôt. C'est sûr, même. Sans doute, et là, je rejoins ce que dit Monica, hein, ce garçon semble vivre dans le virtuel, qui l'effraie dès que ça devient réel. Peut-être qu'il joue beaucoup, demande Monica, aux jeux en ligne ou aux jeux vidéo. Vous savez ? Non. 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 Je sais qu'il ne joue pas aux jeux vidéo, par contre. Ouais, il semble être dans la peur, en tout cas de quelque chose, hein. Mais pas seulement dans la peur, vous voyez, parce que ce que je trouve un peu troublant, c'est quand vous l'avez vu, vous avez dit c'était pas le même. Alors je veux bien hein, qu'il ait peur, mais s'il avait peur, il aurait aussi peur par message et à distance quand même. Et là, comme par hasard, il a pas du tout peur. Exactement. En fait, quand je l'ai vu la première fois, enfin, quand je l'ai revu, ça s'est vraiment très, très bien passé. C'était vraiment le même garçon avec qui je parlais quand il n'est pas à Paris. Mais après, les autres fois où il est revenu à Paris, donc là, hier, c'était pas du tout le même garçon, en fait. Peut-être qu'il est tellement pas à l'aise quand il vous voit. Peut-être qu'il a tellement, tellement peur. Peut-être qu'il ne sait pas faire. Et il est très jeune, hein. Vous êtes très jeune, vous avez 19 ans. Oui, donc, exactement. Ouais. Mais oui, donc il, à cet âge-là, la peur, c'est celle de ne pas savoir faire. Donc, sans doute. Alors, vous voyez, le problème que votre ami appelle, je trouve ça un peu dur. Parce que s'il est véritablement dans la peur, ça risque de lui faire vraiment peur. Moi, je crois plutôt, Isabelle, que vous devriez mettre un peu de distance dans les appels et faire un peu comme les chevaliers hein, dans le temps qui devaient conquérir leur belle. C'est une conquête, une femme, une jeune femme. Il a 19 ans, il faut qu'il apprenne à conquérir. Donc, vous n'êtes pas tout le temps là, joignable, au bout du fil, avec vos messages. Bah, écoutez, vous avez votre vie, vous n'êtes pas disponible, vous n'êtes pas toujours là pour lui. Parce que là, vous êtes trop à le cocooner, à vouloir des choses à sa place. Oui, c'est vrai. Et vous lui enlevez sa capacité de croissance de garçon, c'est-à-dire sa capacité de conquête. Laissez-le conquérir, il a peur, très bien. D'accord. Qu'il prenne son beau cheval, sa lance et son bouclier, qu'il aille à Paris. Mais si vous voulez, si vous êtes tout le temps là à le rassurer, à jouer les mamans avec lui, d'abord vous l'infantilisez un peu, ça ne l'aide pas. Et puis toujours disponible pour lui, vous rentrez dans un jeu qui est pas très sain, ni pour vous ni pour lui. Alors il faut que vous restiez très désirable, comme vous l'êtes très certainement pour lui, et puis qu'il affronte un peu ses peurs. Et quand il pourra moins vous joindre comme ça à distance, il aura besoin de vous voir. Et là, il va se bouger.
Peut-être. Donc vous me conseillez de prendre mes distances en plus oui. J'y ai pensé la dernière fois. Oui, je pense que le mieux pour vous, ne faites pas rentrer votre copine dans le jeu, mais ne soyez pas toujours présente, soyez un peu silencieuse. Bah oui, vous n'avez pas vu qu'il avait envoyé un message, vous étiez très occupée, tiens vous sortiez avec des amis, ah tiens vous n'avez pas vu, ah il a appelé, ah bah vous n'avez pas eu le message. Parce que je suis sûre que demain il le fera en fait. Oui parce mais demain... Tous les matins c'est bonne journée. Bon. Oui mais ça tombe mal Isabelle, demain vous n'êtes pas joignable. Voilà, exactement. Ou je sais pas, le portable, il est déchargé. Puis alors, à quoi ça rime, voyez, bonne journée, bonne nuit, bonsoir, alors que vous ne sortez mais pas c'est ensemble ça, en fait. Bah oui, ça rime à rien. Voilà, c'est ça que je comprends pas. Donc... C'est qu'il m'envoie tout le temps ça, alors qu'il y a des jours où la veille, on se parlait pas, on n'avait pas parlé, et le lendemain, il va m'envoyer bonne journée. Comme si de rien n'était, comme ce matin. Ouais, alors pourtant, la veille, on était en mauvais termes. Oui, Isabelle, il faut changer le mode de la relation là maintenant. Et vous allez lui dire en rigolant, vous n'allez pas répondre au bonjour, bonne nuit, etc. pendant un jour ou deux. Et s'il ne comprend pas, vous allez lui dire, mais attends, bonjour, bonne nuit, ça c'est quand on sort ensemble, quand on est en relation. Le jour où on sortira ensemble, on pourra s'envoyer tous ces petits messages-là. Mais aujourd'hui, non. C'est vous qui allez un peu jouer maintenant. Jouez à la belle, Isabelle. Faites votre belle. Faites votre mystérieuse. Vous croyez pas que ça va le faire fuir ? Bah écoutez, ça va lui apprendre à conquérir, ça va lui apprendre la conquête. D'accord. S'il tient à vous, il va se mobiliser un peu. En tout cas, ça va lui apprendre. Vous allez beaucoup plus, s'il a peur, vous allez beaucoup plus lui apprendre à faire face à sa peur en étant un peu plus distante et en créant du désir et à ce qu'il cherche à vous conquérir, que si vous essayez de le rassurer comme un petit garçon en disant « Ne t'inquiète pas, maman est là, tout va bien se passer, prends-moi la main et laisse-toi faire. » En plus, c'est ce que je fais un petit peu. Ben oui, mais bon, il faut qu'il apprenne un peu à être un jeune homme et un homme après. À chaque fois, il me dit « Oui, tu sais, il y a plein de filles avec qui j'ai parlé, elles n'ont jamais été comme ça avec moi, elles sont toutes parties, toi, t'es restée, donc je sais que t'es une fille bien. » Enfin, plein de trucs comme ça, en fait. Ouais. Plein de trucs donc, comme ça, c'est-à-dire, oui. Bah, souvent, en fait, quand on s'engueule, souvent, il revient, il me dit « Oui, je suis désolée, excuse-moi, pardonne-moi, je suis comme ça, je m'emporte vite, je suis assez susceptible. » Et après, ça redevient un amour, en fait. Quand il fait ça, on n'a pas envie de... En fait, je pardonne trop vite les choses. Parce qu'il sait que je suis toujours là. Et il faut qu'il se dise, en fait, ouais, comme elle sera maman. Pas toujours là. Comme une maman. Bon. C'est une voilà, maman exactement. Qui est toujours là. C'est une maman dans un... Alors après, dans un couple, oui, au bout de plusieurs années, on a construit quelque chose, oui. On est là pour l'autre, bien sûr. Mais là, à quoi ça correspond pour vous, Isabelle, d'être toujours là ? C'est vrai. Qu'au final, ça m'apporte rien. Ouais. Faut mieux que je me fasse un peu désirer. Bah c'est vous, hein, c'est vous la jeune fille. Exactement. C'est comme ça depuis la nuit des temps, Isabelle. On va pas changer l'ordre des choses dans le genre de l'amour. Il y a de la conquête, il y a de la séduction. On en a besoin. C'est ça qui crée du désir. En et c'est merveilleux. Souvent, oui, moi j'aime les filles difficiles à avoir, pas les filles faciles. Quand la fille je l'ai, ça m'énerve, donc je m'en vais. Donc, il me l'a souvent dit ça en plus. Hein. Oui, bah alors, à ce moment-là, tant qu'il peut vous avoir, il ne va rien faire. Oui, voilà, c'est ça. Eh oui. Donc, je vais mettre de la distance. Oui, mettez de la distance, amusez-vous, faites un peu votre vie avec vos amis. Et vous voyez, il y a un auditeur qui dit que ce n'est pas une bonne idée, là, le message aussi, hein, par votre ami. C'est Mam qui dit ne passez pas par une amie pour porter un message à ce garçon. Et puis, lâchez-le un peu. Il y a d'autres garçons qui vous aimeront, qui vous aiment. Vous avez 19 ans, soyez un peu plus légère. Un peu plus légère. D'accord. Bah 19 ans, c'est l'âge de la légèreté. C'est vrai. Vous allez vous accrocher. Bah, vous allez vous accrocher à un garçon qui est à 500 km de Paris, qui vous envoie des bonnes nuits, bonsoir, comme si vous étiez mariée depuis 10 ans. Ah, il y a Corentin qui dit, il y a plein de beaux gosses à Paris. Je vous dis pas l'âge de Corentin. Ça y est, il est tout rouge. Il se cache, mais comme il est caché par une vitre. C'est pour le taquiner, Corentin. Il me dit dans le casque, vous savez, je l'entends. Alors il me dit, il y a plein de beaux gosses à Paris, dit Corentin. C'est vrai en plus, hein. Ah bah, c'est vrai en plus, oui.
commencer par Corentin, justement. Et Quentin, et Maxence, il y a plein de beaux gosses à Europe 1, c'est comme ça. Isabelle, sans rire, soyez vraiment dans votre âge, parce que les bonjour, bonsoir, bonne nuit, vous aurez tout le temps quand vous aurez allé 30, 40. Ah, on a perdu Isabelle d'un seul coup. Ah bah écoutez, désolée Isabelle, ça a dû couper le portable, ça devait être la panne de batterie. Je vous embrasse Isabelle, et puis soyez une belle jeune fille avec ce jeune homme à qui vous allez faire très envie et qui va vite prendre son cheval, son bouclier et sa lance pour vous rejoindre à Paris. Je vous embrasse Isabelle. Dialoguer avec Sophie Peters. Envoyez le mot nuit suivi de History repeating the proper Her AIDS, et je vous souhaite une très très jolie semaine à l'écoute d'Europe 1. On se retrouve vendredi soir 23h.